What's up, Jonathan? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un combat en Gapples mode. So, aujourd'hui, les amis, on va faire un petit Gapples mode. Attendez un instant. Comme ça, comme ça, comme ça. So, c'est parti. On y va en mode Gapples, les amis, aujourd'hui. C'est parti. En espérant que ça vous fasse plaisir, les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller en mode Gapples. J'ai décidé d'enlever mon casque pour avoir quelques coups d'avance sur lui. So, aussitôt que ma Gapples sur le côté ici, en 17 secondes, en fait. On va reprendre une Gapples, on peut faire un combat complet sans sans casque, inquiétez-vous pas, ça c'est pas un problème. Faut juste pas se faire quick drop, aussitôt que notre pump cheat elle termine, fait qu'il faut surveiller sur les côtés et tout ça. So, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien. J'ai vu que ma dernière vidéo vous avez fait énormément plaisir, so, ça m'a fait plaisir que ça vous fasse plaisir et je me suis dit why not d'en faire, continuer d'en faire. Vous aviez l'air d'avoir aimé ça, puis moi aussi j'ai aimé ça, so. Tout le monde était content, c'était la maison du content. On s'éloigne un peu. Si vous êtes bon dans ce mode de jeu là, puis vous surveillez vos armures et tout, il y a des bonnes chances que vous puissiez gagner sans casque même. Mais bon, c'est bon de mettre un casque quand même à un certain moment aussi. Faut pas oublier ça. So, qu'est-ce qui est le plus important dans le fond, c'est le casque armor bot. So, lui, regardez, lui il a déjà cassé. Il a déjà broke. So, moi je vais mettre ça. Jusqu'à temps qu'une autre de mes pièces va casser, c'est mon plastron qui va casser le prochain. Du moins qui va casser. So, lui, il prend beaucoup plus de... Voilà. Là, c'est là qu'on peut se le terminer. Et voilà. Vous avez vu, moi, j'ai pas mis mon casque. Genre, j'en ai encore un casque. So, il aurait dû mettre son casque. Il aurait dû avoir son truc dans la hotbar. Or, il l'avait pas. Donc, c'est dommage, mais bon. Il aurait pu essayer de l'avoir. On va retourner dans un unranked Gapples. Et puis, comme j'ai dit, ouais, c'est ça. J'espère que les vidéos sur... sur Bad Lion nous font plaisir. Je sais que la dernière a quand même été assez bien vue. Vous avez mis pas mal de pouces bleus. J'aimerais aussi que cette vidéo-là soit pas mal bien vue. Que vous ayez pas mal de... vous mettez pas mal de pouces bleus aussi. Ça me ferait excessivement plaisir. So, comme je l'ai dit, on fait ça. Plus ça. Et puis c'est parti. On prend... Oh shit, j'ai mis mon casque comme un con. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça, comme ça. Let's go, c'est parti. Let's have fun, boys. Peut-être que lui est un peu meilleur, puis il va être capable de nous quick drop. Ouais, je pense qu'il va être capable. Oh non, c'est bon. S'il prend un bon combo sur nous, ils peuvent nous quick drop. Sauf faut faire attention à ça. Mais normalement, on devrait être correct, les amis, inquiétez-vous pas. Comme j'ai dit, surveillez les sur le côté, les potions d'effet. Aussitôt que la régénération tombe bas, c'est là qu'on prend la pomme. Sinon, on est dans la merde, comme vous voyez. Il peut pas nous faire plus de dégâts. Nous, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on en donne dommage son casque. Son casque est la partie la plus importante dans un combat. Surtout quand on prend des critiques, des critical hits. So, vraiment important, les amis. 15 secondes encore. C'est bon. On a pas mal de régénération. On a encore, ouais. On gère quand même bien. Je pense qu'on a pas mal de coups d'avance sur lui. Surtout au niveau du plastron, du casque et tout. So, faudrait voir. Mais voilà. On a pas mal de hits. On a des... C'est ce qui broke le plus vite. So, lui... Oh shit. Non. Il peut me quick drop. Oh shit. Le gars, il aurait pu me quick drop. J'ai arrêté de surveiller le truc pendant un instant. Et voilà. Voyez. Encore une fois... Les Gapples, les amis, c'est vraiment ce que je suis vraiment le meilleur, si on peut dire ça. Ben, je suis pas le meilleur. Je suis juste... Moi, j'aime ça. Genre, j'aime vraiment ça. So... Let's go, je sais pas pourquoi il me rush direct dessus, il est cave. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, man? Let's go, c'est parti. Pff, ok, je sais pas c'était quoi ça, mais disons qu'on a rien vu, ok? On va prendre ça. Tac, tac, tac. Voilà. C'est parti. So, comme j'ai dit, moi, c'est ma stratégie. Oh, lui aussi. Let's go. C'est parti. C'est le premier qui va remettre son casque ou qui va quick drop. So, ça va être intéressant de regarder qui prend la pompier en premier, qui prend le plus de coups. C'est vraiment le premier item qui va broke. So, on va vraiment avoir un long combat ici. Lui, il reprend sa régénération. Il va être sûr de ne pas en manquer. Moi, je vais la reprendre maintenant. Comme ça, je prends quelques coups, mais bon. Voilà. Quand le gars, il prend sa pomme. Ok, quand le gars, il va prendre sa pomme, nous, on va le critical hit. Mais vraiment le plus qu'on peut. Ok, sa pomme, sa gapple va finir bientôt. Et voilà.
sa grapple était terminée, il a pas géré avec son casque. Faut vraiment gérer avec son casque, les amis. Sauf comme j'ai dit, le petit truc que moi je vous donne, c'est ça. Vous allez, vous prenez une punch sheet avant, parce que vous allez toujours avoir quelques petites secondes quand même après. Et voilà, vous prenez vos deux potions, vous enlevez votre casque, vous mettez votre casque là, tac tac tac, le reste de votre armure. Et juste avant de combattre, donc là, ici, mettons, vous y allez avec une punch sheet. So, let's go, c'est parti. Lui, il lag un peu. Non. Ok, on va faire un peu de circle strafe. Je suis pas un pro, les amis, mais je connais ça, parce que dans le temps, je jouais avec Chuck Norris. Si vous vous souvenez, on a fait une vidéo pillage ensemble. Vous pouvez aller la voir, je vais la mettre dans la description. Il m'avait appris vite fait comment faire, et puis c'est ça, je m'en souviens. C'est une grosse dédicace à lui, puis le petit poulet. Sur mes potes, mes amis, mon ami Jacob, lui. Ok, là lui va nous quick drop si on prend pas de punch sheet, let's go. C'est bon, on a pris notre punch sheet, on a notre régénération. Son casque va broke dans environ 20 coups. So, qu'est-ce qui est intéressant en fait, le casque, la stratégie du casque, les amis, c'est surtout bonne si vous faites des 2v2, 3v2. Comme ça, vous avez un casque en plus et vos coéquipiers peuvent continuer à jouer avec leur full casque. Puis là, ils sont encore corrects, vous voyez. Là, on va pouvoir le quick drop si on est assez vite. Non, pas assez vite. Ok, lui il a pas de casque, moi non plus. Ok, lui il s'est dit de remettre son casque. Là vous allez voir, quand moi je vais mettre quand lui son casque va broke, moi je vais mettre un casque. Comme ça, ses pantalons ont broke. Ses bottes ont broke. Ses pantalons ont broke maintenant. Ok, moi je suis encore pas mal dans le verre, un peu partout. Et voilà. Bien joué mec, bien joué, bien joué, bien joué. So, comme je vous ai dit, très bon. Moi j'adore ce mode de jeu les amis. Je serais sûrement, si on fait du ranked, c'est sûr qu'il va y avoir des gens plus forts. Là je fais du unranked parce qu'il n'y a personne dans le mode de ranked. Les maps sont différentes de chaque mode de jeu hein. En bulle UHC, il n'y a pas ces genres de maps là. Tac tac tac. Ok, il a compris lui aussi. Je sais pas si on va perdre, j'espère pas. Mais on va faire de notre mieux les amis, comme j'ai dit. Le PvP faction, ça implique souvent ça, les PvP comme ça. So, moi, je suis quand même assez habitué avec le PvP faction, so, inquiétez-vous pas. Le gars, il est vraiment bon, par exemple. Il met vraiment beaucoup de coups. Ouais, le gars, what? Ok, c'est le seul gars bon qu'on a pogné, parce que les autres, ils étaient vraiment pas bons, mais lui, il fait vraiment beaucoup de mal. On descend quand même assez bas. On va pas essayer de faire broke son casque parce qu'il a quand même une bonne aim. Ça va être impossible. Comme vous voyez, il nous descend quand même assez bas à chaque fois. Si on n'aurait pas la régénération 2, on serait vraiment dans la merde. Oh là, on l'aura plus. So, faut vraiment vite se dépêcher. Le gars, il a beaucoup plus de hits sur nous. So, ouais. On est vraiment dans la merde. En fait, je vais mettre mon armure là. Aussitôt que ça broke. Let's go. So, il a changé un peu d'armure. Il a changé son armure, le gars. On va faire de même. Fuck, qu'est-ce que je fais? Ouais, le gars il donne vraiment beaucoup de coups. Il a soit il est jitter ou soit il est vraiment vraiment bon le gars. En tout cas, il est meilleur que toutes les autres qu'on a eu. Je sais pas, je pense pas qu'on va gagner. Non! Mon armure avait broke en bas pis j'avais pas vu. So, le gars il a vraiment bien joué. Comme j'ai dit, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ça paye quoi. Ça paye, ça dépend des adversaires. Ça dépend. C'est beaucoup plus intéressant dans un 2v2, mettons. C'est plus intéressant de faire ça dans un 2v2. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ben si votre mate manque de casque ou quelque chose, ben vous pouvez lui enfiler un, puis vous avez encore un casque chacun. Pis sachant que si toi tu gères quand même assez bien, ben t'es pas obligé de mettre ton casque encore. So, je vais leave la queue, peut-être qu'il y en a du capole comme ça, peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, ouais, c'est bon. On va prendre ça, on va prendre une potion, prendre ça. Puis on va faire ça, on va faire ça. Tac, 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 tac. Et puis on va faire ça, comme ça. Voilà, on va reprendre une capole. Et c'est parti. So, s'il y en a des amis qui vous... Moi, juste sur les NA, so, si vous avez il y a des Québécois qui veulent faire des 2v2, des trucs comme ça, je pourrais peut-être faire une série avec des abonnés Québécois, bien sûr, parce que je veux pas jouer sur des serveurs EU. Enfin, c'est pas que je veux pas, c'est juste que ça fait laguer de fou à cause des trucs. So. Enfin, c'est comme vous voulez, les amis. Moi, ça me dérange pas. Je pourrais quand même essayer, mais bon. Pas de problème avec ça, moi, personnellement, mais... C'est sûr que c'est plus intéressant pour moi de venir sur des serveurs NA. So, on va faire ce fight là, puis on va voir peut-être pour un autre ranked après. Et sinon, c'est pas grave. On va voir qu'est-ce que ça donne de toute façon. C'est pas encore sûr de gagner.
Mais c'est peu que le fight soit assez long aussi. Oh shit, 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 shit. Ok, on se recule, on va prendre le diapole, il nous reste encore un peu de temps, mais comme là, regardez, lui vient de prendre son truc. Là, ses arrêts des armures vont casser, et là, c'est là qu'il faut faire des coups critiques. Là, faut vraiment le finir. Ah, il a déjà remis son armure, c'est bon. Il est vite, le gars. Mes bottes vont broke bientôt, sauf que je me prépare. Aussitôt que mes bottes, ils broke. Holy shit, qu'est-ce qui se passe là? On va remettre notre chapeau parce qu'il est pas si bad que ça. Je sais pas pourquoi il aime ça venir dans le coin, mais bon. On va jouer avec lui. C'est peut-être plus simple pour lui de me toucher quand il est dans le coin. Anyway, son casque va broke, puis après ça, il n'y aura plus de casque, puis ça va être fini. Non! Asti, j'ai failli faire une erreur là. Et voilà. Vous voyez, au final, vous avez toujours plus d'armure que lui. C'est important de changer les armures. Puis voilà. On va faire un dernier ranked. Je suis à combien d'élo? On commence à 1400. Ah, oh, c'est pas si pire. Le gars, il est à combien lui? On est tombé sur un gars qui était un petit peu plus haut, ça. C'est pas si mauvais. On va faire un dernier match. Puis, attendez. On va leave la queue. On va faire un unranked. Ça va peut-être aller plus vite. Non? Ok. Bon, ben, je vais attendre pour un ranked. Ou à moins qu'il y ait quelqu'un dans les prochaines secondes. Non, il y a personne. On va aller dans les ranked au pire. Let's go. Ah, c'est bon. J'ai pas pris la pomme, finalement, parce que je vais attendre. Ça sert à rien. Prendre les potions au cas où le gars nous rush. Tac, 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 tac. Puis pump cheat, super important. Le gars il fait la même stratégie que nous. C'est super important. Oh shit, il est bon. Holy shit. Ok, il est pas mauvais lui. Ok, je suis vraiment concentré quand je me fight les amis, vous avez dû remarquer. J'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous proposer quand même des fights équitables. Bon, je suis pas un dieu du PVP les amis, hein. C'est, comme j'ai dit, ça c'est mon meilleur mode de jeu, mais c'est vraiment le seul mode de jeu où je suis vraiment bon. Le reste des modes de jeu, je suis pas tellement bon. Je suis plutôt une merde dans tous les autres modes de jeu où il faut se lancer des potions et tout. Je suis vraiment pas bon. Par exemple, niveau ça, ça j'arrive quand même à gérer assez bien. On va prendre ça au cas où. What the fuck, le gars il me fait tellement mal. Ah les gars, what the fuck. Non, il y a quelque chose de pas correct avec ce gars là. Va-tu mettre son casque à un moment donné tu penses? Juste faire baisser son casque comme moi il l'a fait baisser le mien. Désolé si je parle pas comme j'ai dit. Boom! Bitches! We got him down. Good job. Il était quand même assez fort. Il était presque à 1500. So voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. J'espère que vous allez laisser plein de pouces bleus comme les prochains. So, essayons d'avoir les 100 pouces bleus. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous aime mes amis. C'était Icon de Pikachu l'internet. Et comme je l'avais dit, montrez la vidéo à vos amis si vous ne savez pas comment vraiment jouer dans les PvP factions. C'est un peu le même système dans les PvP factions. Pump cheat. Vous pouvez pas enlever son casse en PvP faction parce qu'il y en a qui peuvent avoir des potions et tout. Mais
Dans un combat avec des pump cheats, c'est souvent très 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 utile d'avoir un coup d'avantage, quelques coups d'avantage sur vos armures, ça peut vraiment porter fruit, sachant que le casque c'est celui qui casse le plus vite. Je suis pas là pour vous montrer comment jouer les amis, je vous donne juste des conseils, des trucs que moi j'ai remarqué que c'était vraiment beaucoup plus, que j'étais meilleur avec dans le fond. So voilà, dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme type de duel ou de 1v1 la prochaine fois. Je vous aime, c'est Tycoons, le Pikachu de l'internet, à plus tard.